Et il est où le mec? Je vois même pas. Attendez, il m'a balancé une échelle dessus ou quoi? Ouh, achetons. En fait, il faut refaire encore là? Ouais, faut refaire le même merdier. Ok, bon bah c'est reparti. Mais je sais pas jusqu'où il faut le monter là. Faut l'amener où l'engrenage? Ah, la plateforme, ouais, la note, elle est juste au-dessus. Bah, il faut la mettre à notre hauteur, je crois. Là, on est aux 3, nous. Ok, il va falloir bah, faire comme tout à l'heure, doser les poids et puis. Attends, mais ça sert à rien de le mettre jusque là, là où on est, Pagis. Pourquoi? Bah, tu t'en sers en oud et l'engrenage. Ça te sert à quoi de le. Ah là! Bah oui. Ah, ok, donc ouais, il faut l'amener aux 3. Oh, bah c'est reparti pour de la galère! La Xena, elle... Ah, tu veux que je me mette en bas, Xena? Et c'est moi que j'enlève le pont en bas. Comme ça t'évitera de remonter à chaque fois, si tu veux. Par contre, comment on descend, là? Voilà, comme ça. Hop là. Hop là. Vas-y, Xena, Sanox, tu restes comment en ça haut. Va? Je vous avoue qu'on est en galère, hein, donc... Là, il est très haut. Là, on est où? Il est très haut? Ok, ouais, il est tout je en haut, là. Récupère, récupère le 4. Il reste le 2. Ah, un peu trop bas. Faudrait un 1 en plus. Un 1? J'en ai un 1 en bas. Est-ce que t'as un 1 là-bas, Xena? Ah, non. Là, il a l'étage au-dessus. Attends, je ouais. remonte. Est-ce que tu pouvais pas remplacer peut-être... Non, en dessous, en dessous. Voilà, il est là. Peut-être mettre le 1 et retirer le 2. Bon, je vais pas utiliser, ça marche pas. Tu peux pas... Tu veux pas mettre le 1? Non. Je vais utiliser, ça, il se passe rien. Faut retirer du poids. Faut se retirer du poids. On fait quoi? On essaie d'enlever le 3, peut-être? Et remettre un autre 2, ou... Moi, j'aurais peut-être plutôt dire retirer le 2. Vous êtes sûr, le 2? Bah non, on n'est pas sûr. Mais j'irais, ouais, retire le 2. Si ça le fait monter juste d'un étage, on pourrait mettre un 1. Bah, ça le fait monter... Ça... Eh ben, on est bon. Non, plus besoin de rien toucher, je l'ai. Ok, bon, bah, c'est tout. C'est bon. Je pensais qu'il fallait remettre un 1, mais non, c'est bon. Il fallait juste retirer le 2. C'est ça en fait, il faut arriver à avoir le bon poids quoi, c'est pas... Par contre, il va où mon engrenage là? En fait, on est déjà venu ici ou... On est jamais venu ici. Tiens, prends le jeton. Ah ouais, en fait, il va où l'engrenage? En cherchant, on va trouver, vous inquiétez pas. Ah, j'ai trouvé. Là. Ok, je Ok, du coup, après, tu le récupères. Ça et là, c'est la grosse misère. C'est parti pour le deuxième round. Non, ouais, mais là, on peut le mettre dans le petit monte-charge. Ah oui, le monte-charge, attends, ouais. Parce que là, c'est impossible avec. Ah, il est sur que PC ce jeu-là, non? Autant que je sache, oui, il est uniquement sur PC. Bon, j'ai plus d'eau, mais on va tenter de faire ça vite et bien. Je vais me remettre en troisième personne. Moi. On fait ça vite et bien. Hop, Agis. C'est bon, oui. Là, on maîtrise maintenant. On maîtrise. On maîtrise rien du tout, mais c'est pas grave, on maîtrise. La Xena elle est déjà là-bas, c'est ça? Bon, évidemment qu'elle est déjà là-bas, Xena. Xena, ça y est, elle a déjà fini. Trop d'énigmes, tu l'étignes quand même. Hein. Mais genre.
Alors regardez cette maîtrise incroyable. Regardez là, ça me fait toujours un peu peur de tomber. Il faut juste passer au bon moment. C'est quoi exactement le bon moment? On ne sait pas. Et là aussi, ouais, là, le bon je suis en train de me dire, je suis pas obligé de venir, mais peut-être que je vais être obligé de venir s'il y a le boss derrière. Ok, Xena allié, moi j'y suis presque. Ok. J'essaie de venir. Passe là gentiment, hop. Passe là gentiment. Oh, regardez-moi cette professionnelle. Attendez, il reste encore un à passer. Est-ce que t'as vu cette professionnelle, Xena? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu comment je suis assuré? Il est pas un peu loin l'engrenage là? Je peux pas le récupérer. T'as vu comment je me suis fait coincer dans le coin par les palmes? Ouais, Xenelle là. Avancez, hein, moi j'arrive dès que j'arrive. Hein. T'es sûr? Oui, il y a le décalage horaire, hein, j'arrive. Ok. Le décalage horaire. J'ai pris le coup de main. Ouais. Attends, il y a peut-être moyen de récupérer Pagis en bas maintenant, non? Non, c'est que pour l'engrenage, ça. Non, mais c'est un ascenseur. Attends, on va essayer de descendre. On peut pas descendre. On peut que monter. Ah merde! Attendez, on va prendre une soupe de... Ah, ça remonte pas l'eau! Xena, attends, j'ai une petite noix de coco à la limite. Ça remonte un petit peu, mais sinon j'ai plus d'eau. Xena, elle a de l'eau. Je te l'ai fini, Xena. Allez, Pagis, tu peux le faire. Bah là, tu vois, j'appuie sur accroupi, c'est jamais accroupi. Heureusement que c'est qu'un seul engrenage. Non, mais heureusement. Ah, je te le dis, moi, en troisième personne, je crois que ça va mieux. Non, je la garde, la bouteille, Xena. C'est la mienne. Super. Non, bah, faites avancer, hein. Bah ouais, mais ça m'embête de partir sans toi quand même. Moi j'ai confiance en toi, Pagis, tu peux le faire. Mais là, tu vois, je peux pas y arriver parce que je saute, j'arrive, j'appuie sur X pour m'accroupir. Il s'accroupit pas le truc. Bon, Xena, on va y aller avant de mourir de faim, je pense. Comme ça, on n'aura pas à tout refaire. Pagis, si jamais tu y arrives, on est à l'étage au-dessus. Voilà, j'ai tapé sur X, il s'est relevé, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il y ait moyen de te récupérer. Pas moyen de faire un raccourci. On peut pas faire un raccourci pour Pagis ici. D'accord, on monte pour mieux redescendre en plus. Débloquer une échelle ou je sais pas, moi quelque chose, un truc utile. C'est ici que j'arrive plus en ce moment là. Ce coin là, c'est devenu trop chaud. Si Pagis, on a débloqué un raccourci, reviens au tout début. C'est beau, tu peux venir. On a débloqué un raccourci. Viens Pagis. Où ça? Au tout début, la première palme qu'il y a là, vraiment au tout début. Regarde, là je suis là, tu me vois? Tu me vois? Bah non, je te vois pas. Bah, reviens en arrière là, vas-y encore. Je suis juste en face de toi. Viens. Regarde. Mais non, je suis au début. Regarde, on a débloqué la porte là, ici. Cette porte. On l'a ouverte de l'autre côté. Et c'est bon. C'est bon, plus besoin de faire ce truc, on a débloqué le raccourci. Impeccable. Est-ce qu'il faudrait pas monter là-haut? Marrant, c'est que là j'étais pas loin d'arriver en plus. Ah mais non, Pagis, t'as pris ma caisse?
Je voulais monter là-haut, moi. Ah bah... Y'a quoi en haut? Bah, je sais pas, mais... Il faudrait une caisse en plus, en fait. Y en a une, là. Pourquoi on dirait qu'il y a une musique de boss? Ah bah c'est le boss. Voilà! Bombe! Mais il fait tout cramer le mec! Mais faut faire quoi là? Faut monter là-haut? Je ne pense pas. Attendez, il est où le mec? Ouais, pas monter là où il est. Est-ce qu'on peut monter là où il est? Aïe! Aïe! Ah ouais, il est juste là. Ouais, il va falloir essayer de se faire un petit passage pour y aller. Ouais, mais il fait tout cramer le mec. Ouais. Faut aller lui casser la tête. Psychopathe. Ah ouais, non, mais c'est totalement un psychopathe. Ouais, il faut des caisses un peu partout et puis... Ouh! Le feu, ça brûle! C'est un danger public, ce mec. Est-ce qu'il me balance des grenades dessus, en plus hein? Là, on y est pas loin, là. Il en faudrait juste une de plus. Aïe! Attendez, il fait mal. Attendez, j'en ai vu une de caisse, je crois, quelque part par là. Ouais, là, j'en ai une. Ah, le mec, c'est Sangoku. Je lui balance des flèches, il les esquive à bout portant. Tiens, barre-toi, vas-y, fuis! Évidemment, il ferme la porte. Il est ouverte, en fait. Poulie de tyrolienne électrique, incroyable, et la clé de l'entrepôt. On l'a eu! Il a fui comme un lâche. Ah, mais il va revenir. Ouais, bah ça c'est sûr. Y'a rien d'autre ici, parce qu'il est parti par là sinon. Je pense qu'il va falloir le suivre. Y'a rien d'autre, y'a pas des petits jetons, non? Non, j'ai fait un peu le tour, j'ai rien vu. Ça c'est le gars qui est fort, mais loin d'être fort. Ouais. Donc il a ses petites grenades là, ça va. Regardez bien dans les paniers, y'a peut-être des jetons. Sinon, pourrait pas y avoir un petit peu de la bouffe, ça m'arrangerait. Enfin, surtout de l'eau. Ah, ce serait pas un autre raccourci, ça? Peut-être. Ah, clé de l'entrepôt, je l'ai. Ouais, je pense que c'est un raccourci, ça. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Sautez pas dans le trou, à mon avis. La porte y a des hyènes en dessous. Ok, va bah nous envoyer dans les yens. J'ai dit sautez pas dans le trou, Xena l'a sauté. Bah go. Un pour tous, tous pour un, comme on dit. Ouais, il y en a plusieurs. Elle a attrapé Xena, la hyène. Attends, toi tu meurs. T'as vu les yeux qu'il y a dans les cages? Ça fait... c'est pas rassurant. Bah j'avoue, ça fait flipper. Hein. C'est des hyènes. Ouais. Oh mais non, mais elle recommence. Quoi, faut recommencer? Faut remettre des caisses pour monter là-haut? Ah, oh, puis il y a des hyènes en même temps. Ah bah coup, oui. Elle brûle pas, le feu ne les atteint pas, c'est des hyènes de conquête. C'est des tanks. Aïe. Ouais, quelle misère. Xena, elle a 3 yens derrière elle, normal au calme. Magis, reviens! Je suis coincé là, elles vont choper dans le fruit. Ouch, 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 ouch. La vache, la vache.
Ah, lâche-moi, sale bête. Sale bête, lâche-moi. J'ai où l'autre? Y'a une hyène dans les caisses. Bah, elle vient d'où celle-là, cette hyène-là? Bah, elle était dans la caisse, juste. Elle est morte. Ok, elle est morte. Attention, y'a une bombe! Il faut encore des caisses, Xena, je pense. Y'en a encore. Pas de panique. Ok, il faudra encore une caisse ou deux. Sale putain, elle va avoir ma peau. Ah non, pas Gis. Lâche-moi, sale bête. Elles sont nombreuses. Et j'ai plus de vie, moi. Je suis dans le mal, en vrai. Ah non, non. Là, je suis dans le rouge clignotant, quoi. Bah Gis, je peux pas mettre la caisse parce que t'es dessus. Ah bah je suis mort du coup. Non, t'es pas mort. C'est beau, on les a eus. On les a eus. Résuit les hyènes résistent au feu, je note. Bah oui, tout à fait. Bien sûr que les hyènes résistent au feu, vous le saviez pas? Bah du coup il s'est encore barré l'autre, c'est ça? Bah ouais, on a eu à faire ça jusqu'en haut du bâtiment. Attendez, je récolte les hyènes, hein. Par contre j'ai vraiment plus rien à boire. Bah, il va falloir temporiser. On peut récupérer un peu les hyènes, ouais. Bah, c'est ce que je fais, moi. D'ailleurs, elle donne des têtes de hyènes. Hein. Attendez, c'est de la viande, il y a des flèches dessus. Je récupère, moi. Ça se mange, hein. Je remonte full life, moi. Ça se mange, la hyène. On va se faire un plaisir de les bouffer, je peux te le dire, que là... Attends, Pagis, bouge pas. Voilà, t'avais une flèche dans ton derrière. Je sais pas qui c'est qui t'a tiré dessus, mais... Vu que j'avais pas d'arc, je dirais pas de nom. Xenal m'a pris pour une hyène. Tu vois, j'essaie de lui sauver les fesses, elle me tire dedans, quoi. Attendez, on va ouvrir... vous voulez pas qu'on fasse un petit aller-retour au bateau? Prendre de l'eau, à manger? Parce que je pense que là, on a débloqué un raccourci, et l'échelle tout à l'heure, c'était aussi un autre raccourci, donc... Ouais, bah let's go. Tu veux faire cuire un peu d'hyène et tout ça, quoi. Je veux surtout de l'eau. Parce que là, si on revient là... Ouais, on revient au niveau du... Faut juste passer là et puis prendre l'ascenseur, non? Bah moi, je suis Xena. Ouais, parce que là, moi, je vais crever de soif, en vrai. Tout le monde dans l'ascenseur. Yeah! Profitons tous d'une petite musique d'ascenseur bien sympathique. Elle dure pas longtemps. Si vous voulez, vous pouvez me donner les viandes crues de Yen, je m'en occuperai à faire cuire. Pendant que vous... Attendez, c'est par où le bateau? En fait, il est là-bas, le radeau. Non, c'est pas le radeau, si, c'est le radeau. Ouais, il est là-bas. Ah non, grenade, sa fille! Oh non, mais... Non, tant pis, j'y vais. Ouais, on y va à la nage. En plus, je vais plus mourir de soif dans genre 2 minutes. Même pas. 30 secondes. Voilà, ça y est, je suis en train de mourir de soif. Ah! Je veux de l'eau. De l'eau. Impeccable. Ah, j'arrive pas à remonter en plus. Super! J'avance pas! Alors, on va faire cuire de la hyène, je suis en train de boiter! La bonne hyène tendre! Bon manger les hyènes! On va faire un sandwich choco-hyène à la mayo! Choco-hyène comme, hein. Comme du chocolat, bien sûr! Non, comme du chocobo! Mais! Je vais la faire cuire! Non, je suis en train de mourir de soif! Je vais chercher de l'eau d'abord! Ouf! Je veux de l'eau! Heureusement qu'on a du stock dans de l'eau. Bon, là, on l'a un peu vidé. Tiens, ma viande de hyène, je te la mets dans le frigo. J'en ai 14. Ah, mais
J'ai plus de stuff, moi le stuff il est wash en fait, ça y est. Ah ouais. Moi aussi il est quasiment wash. Ah, petite halte. Petite halte, on se met bien. C'est pour ça qu'un deuxième lama ça aurait été bien. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on manque de laine. Parce que le cuir là en plus avec les hyènes on a ce qu'il faut. Mais la laine, c'est ce qui pose problème. Ça aurait été trop bien de faire un grand sac à dos, là. D'ailleurs, on a débloqué un nouveau truc aussi, c'était quoi? En plus du grand sac à dos. Attendez, je vais regarder ça. On peut pas se refaire du stuff? J'ai 10 cuirs sur moi. C'est la laine qui manque. Merde. Ah oui, c'est la tyrolienne électrique. Ah oui, quand même. Je suppose que ça permet de remonter les fils de tyrolienne, tu vois, les descendre comme les monter. Merci pour le pet-pet! Après, Pagis, on peut te refaire une armure. Mais je crois qu'on pourra faire qu'une seule. Bah après, voir si Xena, elle en a besoin aussi. Je pense qu'on en a un peu tous besoin, en fait. Bah vas-y, fais-toi-en en priorité. Ça fait... Tu veux mon cuir? Je peux toujours t'aider. Mathias, si tu veux, je t'offre ceci qui est à moitié mort. Trois quarts mort, même. T'es trompé, non? T'as pas récupéré le bon truc? Ah, tu parles de l'armure? Ouais. Elle est quasiment morte. Bah, moi, je suis quand même à poil. On sort bien. Ouais, parce qu'on a juste de quoi en faire une armure et c'est tout. C'est tout, on n'a rien d'autre. On va ranger les têtes de hyènes. C'est pour ça que de la masse, ça aurait été bien. Si quelqu'un veut mettre une tête de hyène... D'ailleurs, on n'a pas regardé à quoi ressemblaient les têtes de hyènes. Attendez, je vais mettre une tête de hyène pour voir à quoi ressemble. Oh, que c'est moche. C'est mort, je mets pas ça, moi. Par contre, ça gêne pas du tout la vue. Ça va, Xena? Tranquille. Xena, une hyène dans le radeau. Tu veux une hyène? Faut clipper. Eh, c'est bon, vous avez fait assez de clips comme ça hier. Ça va, les clips. Hein. Et on va en profiter pour retirer un petit peu tout ce qu'on a. On va mettre aussi à fond du cuivre, hein, tant qu'on y est. En fait, j'ai pris les bouteilles et tout, mais je crois pas qu'on va en avoir besoin, les bouteilles de plongée et tout. J'ai pas l'impression qu'on va aller sous l'eau. Bah, c'est pas plus mal au final, non? J'avoue. C'est oppressant. Ouais, c'est juste une petite tête de hyène. Ça, on va le mettre dans le réservoir, là. Pas que ça tue. Ouais, c'est plein. Bon, on va récupérer ça. Hop, on va mettre ça dans le coffre. On aura un peu de biocarburant en plus. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, on garde aussi. La lance. Bon, moi, j'en avais pas eu besoin, mais ça ne saurait tarder. Bah là, elle m'a un peu servi avec les hyènes. D'ailleurs, ma lance en fer, elle est presque... Elle est presque cassée. Ouais, les hyènes... Wesh. Bah écoutez, personnellement, je pense être prête à repartir. J'étais bien là, en train de taper les hyènes à la lance, puis d'un coup, je me suis pris une flèche dans le derrière. Ça, c'est Xena, t'as totalement tiré dessus. Hein. Moi, je peux pas dire, ouais. Mais... Tu remercieras, Xena. Ouais, moi je suis prête à y aller si vous êtes prêts à y retourner. Attends, j'ai presque fini de faire cuire la viande. D'ailleurs, si vous en voulez, je vais en mettre dans le frigo. C'est plus l'eau qui pose problème. Je pouvais pas me faire une gourde, une vraie gourde, je parle, hein, pas une bouteille. C'est de la viande crue de hyène, toi, peut-être, Xena? Il fallait quoi pour faire une vraie gourde? Y a moyen de faire des vraies gourdes en fait. Lingot de métal. Tu peux poser ta viande si tu veux. Plastique et cuir. Bon, je peux en faire qu'une seule, mais. Voilà, j'ai déposé de la viande.
Vite. Oh ouais, mais elle est incroyable la gourde. Je peux cuire des patates aussi, hein. On y va à la totale, on sait Tiens, jamais. Hein. Xena, cadeau. C'est pour toi. Pour te dédommager de la bouteille que je t'ai rendue en plus. Ouais, c'est capable de s'équiper d'un méca de yen. Un yen méca. Hop. Bon, on manque de métal pour faire plus de gourdes, mais une, c'est déjà pas mal. Je vais cuire mes pototes et j'arrive, hein. On peut pas se rapprocher près du lieu avec le radeau. On abuse ou pas? Ouais, je pense un peu quand même. Mais bon, on le dira pas. Ben, on a le droit d'abuser. Vas-y, abuse donc. Petit poitache. Ouais, je vais cuire des Hop. pototes. Dis-moi une petite poitette. T'as vu, elle est belle ma gourde, Xena. Ça, c'est une vraie gourde. Je crois que ouais, c'est peut-être l'équivalent de deux bouteilles en vrai, la gourde. En vrai, c'est pas mal du tout. Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment l'équivalent de deux bouteilles, mais quasiment quoi. En tout cas, c'est beaucoup plus qu'une bouteille. Bon, monsieur Patate, t'as fini? Ah oui, Xena aussi, elle s'impatiente, hein. Go go! Ah ben, quasiment prêt. Ah, il s'est pas attardé, lui. Je récupère un stack de viande. J'arrive, j'arrive, c'est quasiment cuit, c'est quasiment cuit. Bon, t'as vu sa fille? Non, t'as rien vu. Ah bah oui, bah elle est déjà là, Xena. Fais gaffe, Xena, elle attend plus. Xena, tapis, tapis! Ah, t'as vu ce zoo, Xena? T'as vu, j'y arrive. Bah, j'y suis, on t'attend. Enfin, non, Xena, je crois qu'elle t'attend pas, mais. Mais ça veut pas cuire, là il reste plus que deux et ça cuit. Oh bah tant pis. J'ai rien. Des, pas taper! Ah là là. On va dire taper parce que sinon, Des, après, il lance des balles de tennis. Ah. On Tapez! avait oublié un jeton. Ah, mais ça, c'est terrible. Vous croyez qu'on arrive à la fin là? Parce que quand même, ça fait un petit bout de C'est ma temps musique qu'on est là. préférée qui passe à la radio là. Je vais la louper, hein. Attendez, par où on passe là par contre? Bah là on monte, ouais, ici. On rejoint la plateforme là, et c'est parfait. Ah, ok! C'est bien quand même d'avoir débloqué des raccourcis. Ok, l'entrée est là. Non, parce que tout à l'heure je me suis paumée, alors. Tous dans l'ascenseur! Ouais! Xena veut t'en payer. Ensuite, c'était au monde par là. Au monde par là. Et il n'y avait pas quelque part une échelle? C'est celle-là Si elle est l'échelle? là, ouais, ça va être celle-là. Ouais, ça doit être celle-là. Hein. Quelle bonne idée d'avoir mis des raccourcis! Il n'y a personne qui a verrouillé cette porte, qui a déverrouillé cette porte, du coup, il faut faire tout le tour. Moi, j'avais déverrouillé celle-là, mais pas l'autre. Non, franchement, ça fait flipper les yeux, non, les yeux là qui. Dans les cages. C'est bien fait, c'est bien fait. Ok, Xena déverrouille la porte et nous, eh ben, on monte. Hein. Lance à la main, ouais, lance à la main. Il y a un jeton là. Il y a un jeton. Prends le jeton! Arrive pas à le prendre? Il est un peu haut, alors j'essaie de le récupérer en sautant, tu vois. C'est bon. Les jetons, Allez, c'est let's go, important! tapez! Waouh! Ouais, mais c'est tout mignon! Bah, juste arrête de dire taper. Hein? Il y a Bouge qui s'y met aussi maintenant! À chaque fois que tu vas dire taper, je vais me prendre une balle de tennis, moi! Je peux rien, moi, si j'ai envie de taper! Ouais, bah, je crois que tu vas taper, mais je crois qu'on va mourir aussi. Oh, mais hoche! Est-ce que t'as vu la hyène qui est en face? Il y a des sortes de chaînes en bas?
On va crever. Oh, Xenal est motivé, Xenal y va. On aurait peut-être dû prendre des boums de guérison. Pagiste, t'es où? Tu te caches ou quoi? Bah ouais, je suis caché moi. Ah. Ok! Pourquoi moi? J'ai rien fait! Allez-y, t'as passé là! C'est ce qu'on fait. T'as passé là pendant que je la fais courir! Elle est toujours sur moi? C'est moi ou elle balance du poison en plus? C'est une hyène radioactive. Attention! Waouh! Oh merde, raté. Ouf. Oh, mais je la touche pas. Ah, je suis dans le putain de truc là. Ouais, c'est une radioactive. Ah putain, il est encore sur moi. Je peux pas le bloquer là-dessus, là, sur la ramène dessus, non? Y'a pas un truc. Elle est sur moi? Ouais. Non. Mais elle fout du poison partout! Je rêve où elle vient de bouffer un truc. Là, elle bouffe Xena. Xena, non. Attends. Hop. Tap, 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 tap. Ah, le poison. Oh putain, ouais. Oh la vache. Ah, j'ai plus de flèche. Ah ouais, il lui donne à bouffer. Mais attendez, les flèches rebondissent sur lui quand il mange, je crois. Cours, Xena! Ah! Maintenant, c'est moi qui cours. Ouais, quand tu lui donnes à manger, je crois que ça lui donne vraiment un buff qui fait qu'elle prend pas de dégâts à la hyène. Ouais, là, elle a plus la crête qui clignote, ça doit être le moment. Je fais un peu le tour, j'essaye de récupérer des flèches. Ouais, là, ça rebondit. Ça rebondit. Non, Xena! On peut rien faire, il a la crête. Aïe 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 aïe. Et il y a 30 000 flèches sur lui. Hein. Si vous voulez des flèches. Elles sont sur lui. Non, il mange. Et il balance des cailloux. Des cailloux radioactifs en plus. Machette là. Non, il est invincible. Ah non là, ouais, en plus avec la machette ça s'entend bien, ça fait un bruit de métal. Ouh, ah, elle fait mal. Oula. Ouais. À moins ou moins d'un endroit où pouvoir se cacher. Elle est morte. On l'a vu. Elle est morte. GG. Allez hop. J'ai eu du cuir. J'ai récupéré des flèches. T'as eu des flèches qui sont au sol. Est-ce que t'as eu sa tête? Ouais. Vas-y. Toi, je vais te la balancer, tu non, vas la mais là, toi. Je veux te voir avec la tête de hyène. Ah, c'est la même tête que tout à l'heure, mais en fluorescent, quoi. Pour les flèches, j'en ai récupéré un peu. Est-ce que je vous en donne un peu? Moi, il m'en reste 8. Ouais, et toi, Xena? Ah, Arcachès, merde, ouais. Bah, moi, je veux bien un peu de flèches, ouais. Celle-là. Bon, bah, lance, elle est HS bientôt, par contre. Oh, bah, c'est géré, tu vois. Je l'ai tapé un petit peu avec la machette aussi.
Et merci pour les GG en tout cas. On est assuré quand même. Je crois que j'ai quasiment pas pris de dégâts moi. Ah t'es beau Pagis avec... Ouais bon, on l'a vu Xena aussi, toi tu... Il fait style que les mains en l'air mais méfiez-vous. Prépare un truc là. Le sauveur de... pas de nous en il va se casser la gueule surtout. Adieu. J'ai récupéré une clé de prison qui était sur le... Ah, qu'il est bien comme ça. On laisse comme ça jusqu'à la fin de séjour. On a même pas fouillé au-dessus. On a sauté, on a pas fouillé au-dessus. Jetons. GG. Mais on a la clé de la prison, non? Crochet en titane. Hache en titane. Épée en titane. Qui c'est qui a trouvé ça? Flèche en titane. Et jetons. On peut remonter en fait dans la salle si vous voulez. Ah mais par contre du coup on n'a pas vu là, la petite... On a les jetons mais on n'a pas vu la machine à jetons. Dans la prison? Non ça m'étonnerait, normalement on a tout fouillé par la prison. Parce que là on a la clé de la prison, on est d'accord? Ouais là il faut libérer juste les gens non? Ouais je crois qu'on a terminé en fait. Bon bah on fait quoi? On redescend, il y a Xena déjà dans l'ascenseur. Non mais il est bien lui là. Adieu. On le laisse là comme ça. Personnellement je serais plus pour le tuer mais... pas sûr que le jeu y veille. Jetons. Et raccourci. Mais raccourci, c'est la vie. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres jetons. Elle était où la prison? Le gros bâtiment. Ah bah elle est juste là. Ah voilà, bah, juste à côté. Est-ce que vous êtes prêts? On va libérer les gens. Vous êtes prêts? Ah c'était marqué. Eh c'était marqué que tous les joueurs devaient être présents. Ah bon? Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Bah là, on va vivre la fin, quoi. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. This final chance, we can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Ah bah ils sont là les distributeurs. Ah bah voilà. Ah du coup le... Ah c'est toutes les décos qu'ils ont chez eux qu'on peut récupérer. Le coin s'est refait. Il y a un autre distributeur par là. Ah mais c'est des graines ici. Non c'est des décos. Des décos ça? Ouais ouais je pense que c'est... On peut les piller. Bah en même temps on les a sauvés, on veut tout prendre. Hein. Ouais, j'avoue, on a sauvé tout le monde, regardez, il y a plein de gens, ils sont là, la vie revient. On les a tous sauvés. Ouais. On a fini le game. Il y a des gens, enfin il y a des gens dans ce jeu. Ouais, mais t'es un peu seul quand même pendant un long moment. Ah, il est là le con. J'imagine que vous jubilez. Ben ouais! Paf! En cage! Bien fait!
Ah, il y a du poisson. Oh, merci pour vos ressources. Hein. Ah, il y a encore un jeton. So annoying. I'm a trader. I was only here to move some produce. Then, boom, rabid hyenas everywhere. All of a sudden, il y a des gens vivants. Des vrais gens. Des vrais gens vivants. Eh ben écoutez, voilà. Mais je tiens à dire quand même qu'on a débloqué. D'ailleurs, ça dit quoi, Utopia? Il y a pas plus de notes que ça, on a fini? Bah non, c'est juste que bah voilà, on a libéré une cité de survivants et... Non mais depuis la carte, on a rien de plus. Qu'est-ce qui t'a devenu de Bruce? Mais Bruce, vous inquiétez pas, il fait toujours sa vie tranquille dans l'eau. Il nous mènera toujours la vie dure à nous et à tous les autres éclaireurs qui passeront après nous. Vous inquiétez pas. Ouais. Ah ouais, par contre, faut qu'on retourne au radeau pour tout étudier. Ma mission maintenant, c'est de trouver une broussette à mon petit Bruce. Une broussette à ton petit Bruce. Broussette, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Combien on a de jetons? On en a 46. On en prend un check? Ouais, bah vas-y. On en a combien de jetons en plus? On en a beaucoup, non? Ouais, on en a 46, je crois, j'ai dit. Ou 47. 46. Bah allez, let's go. On en prend déjà un check. Tudum! Il y a des plantes, il y a plein de choses en vrai. Je peux pas avoir assez de place sur moi pour tout ramasser. Ils ont des jolies petites décorations en vrai. Ouais. On en fait des succès. J'ai plus de place. Ah bah attends, mais du coup je vais récupérer l'outil en titane. Mais en place il m'en reste un peu. Bah écoute, il y a tout ça à prendre. Il y a Xena qui veille, attends. Je vais me reculer, j'ai mon perso, il a soif, il a faim. Voilà, comme ça on verra déjà un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Moi je vous propose de retourner... Les petites bouteilles brillantes, ça a l'air d'être super mignon. Des bouteilles brillantes. Ouais. On a des petites bouteilles brillantes. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'on est là. On est où, on va où, elle est où, il est où le radeau? Là, on est sur la partie où on se faisait cramer là. Même regarde, on a fait ça là, pour monter. Il était au-dessus, il nous balançait là. Ah ça ouais prend, bon. Voilà, on est là. Ah, c'est ça, ouais, les petites bouteilles brillantes là. Ouais, mais c'est mignon, ouais. Bah ouais, c'est tout mignon. Ça fait de la lumière. Hop, on peut en mettre partout. Bah, si t'en veux un peu plus, y en a plus. Hein. Elles sont là. Regarde, dans ce distributeur, là, c'est les deux du bas. Il va en prendre 30 000. C'est bon. Je vais mettre ça dans le radeau. À la semaine prochaine. Il est où le radeau, d'ailleurs? Bah, telle est la question. Comment on se barre de là, Xena? Par là. On suit Xena. Xena SC. Ah bah oui, le radeau, en fait, il est juste là. Wouah, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Bah ouais. Ça passe. Le saut incroyable. Ah, les survivants, on a battu des requins mutés et des hyènes mutés, donc... Ah ouais, la hyène toxique, là, radioactive, tout ce que tu veux, et en plus tu portes sa tête, tu peux devenir radioactive aussi. D'une certaine façon, ouais. Il ne reste plus beaucoup de temps. Adieu, Pagis. Ah bah, Bruce, il m'a croqué. Bruce, je l'ai entendu, ouais. Bruce est toujours là. Il était content, il m'avait arrivé. Moi, je l'ai pas vu, par contre. Alors attendez, on va débloquer les trucs en titane. Il est où?
Je vais sonner le clairon de la victoire. Ah ouais, flèche en titane. Épée en titane, hache en titane. Et crochet en titane. C'est un bon honneur. Ça sent l'odeur du soldat Oops. Et ça sent l'honneur du Saphir. Mais je peux pas les accrocher à mon plafond, c'est nul. Par contre, je peux les accrocher au mur. Ouais, elles sont trop jolies en vrai, les petites lanternes. Oh, c'est des petits bateaux. C'est trop mignon. Oh là là. Eh bien, écoutez, je pense que... on a terminé le jeu. Moi, je tiens à vous dire GG à tous. C'est la fin de l'épopée. Par contre, il nous faut quoi pour faire les trucs en titane, là? Deux titanes pour faire la... C'est pourquoi tu fais la porc, Zena? Eh, ça te dit, je te file une bouteille comme ça? J'ai tout. Ah, bah, t'en as mis plein. Oh, bah, pas la peine, alors. Oh! Ils ont acheté plein de bouteilles, hein, les deux. Oh. Non, mais elles sont super jolies, en vrai, ces petites bouteilles. C'est tout mignon. Pagis et Xena. Oh. Tiens, moi, j'ai des palmiers. J'ai des coquillages, Pagis, si tu veux. Tu veux des coquillages? Récupère ma bouteille. Des coquillages, non. Ça yeah. Va pas dire, ça va quoi? Bah voilà, à ça. À des coquillages. On aura mis donc 169 jours, c'est marqué là. Moi, sauver je le monde. J'ai dit, il manque une dernière chose. Pour conclure tout ça, ce qu'il nous faut là ici, une table. Ah ouais, ça c'est pas mal. Attendez, il nous faut une table. Il nous faut quoi pour faire la table? Par contre, une vraie table, hein, pas une table. On se fait déjà voir. Hein. Voilà une comme ça. Planche et clous. C'est ça qui a fait ça, Xena. Sympa. Ah, j'ai plus de place. Une table. Et il nous faut des chaises aussi pour aller avec. Il nous faut 3 chaises. Ouais, ouais, ouais. 3 chaises exactement. Attendez, on va poser celle-là. Une. On n'a pas 3 chaises. Ah, mais là, j'ai pas les clous. On va poser celle-là. On va prendre les clous. 2 et 3 chaises. On va reposer les clous. Et je vais récupérer pas tout mon bordel parce que je peux pas. Parce que ça, c'est quand même une cuisine. Hein. Une cuisine qui fait un peu salle à manger également. Hop. Une première chaise. Une deuxième chaise. Une troisième chaise. Petite bouteille comme ça. Ouh, cette plante est énorme en fait. Celle-là aussi. On peut la mettre là. Mettre une petite plante là. Et une autre petite... juste ici, comme ça. Ouais, et ça ira. Eh ben écoutez les amis, moi je vous invite à venir dans la cuisine pour mettre fin
à notre aventure, tous ensemble. Ne manque pas Gis, comme d'habitude. J'arrive. Je faisais quelques petites retouches dans ma chambre. Il arrive. Mais d'ailleurs, j'ai même pas récupéré mon piano, quoi, quand j'y pense. Bah, il est toujours dans la grande salle, le piano. Ah, le piano, ouais, mais je voulais le mettre dans ma chambre. Tu vas garder ta tête de hyène pour la fin, Pagis. Ta tête de hyène radioactive. Et ben voilà, les amis. Nous avons lutté dur. Nous avons survécu, plutôt. Ouais. On a vécu tant d'aventures ensemble et c'est là-dessus que on a terminé notre aventure. Ben, à part le petit coup du jump, sinon le chapitre final était quand même pas mal, moi je trouve. C'était plutôt sympa. La hyène en vrai en solo, elle doit être assez compliquée. À 3, ça va. En solo, je pense qu'elle doit être. J'ai bien aimé le parcours. Ouais. Bon, ça va. La deuxième fois, je suis arrivée. Ben, je crois que je suis arrivée quasiment du premier coup, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est du first try. Ouais, j'ai assuré sur le deuxième parcours, enfin sur la deuxième fois. Voilà, et sur ce, ben, les amis, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette aventure, j'espère qu'elle vous aura plu. En compagnie de Oups, bon, même s'il est, il a pas terminé, de Xena et de Pagis, sur notre petit radeau tout mignon, qu'on a quand même bien décoré, et je suis assez fière de nous. Voilà, voilà. Un mot de la fin ? Kawabunga ! Ok, Pagis. Ça, c'est du mot de la fin. Et le jour se lève. Oh. Et ben voilà. Là, c'est qu'on a fait les décos. Hein. Bah ouais, les on a fait les décos. Décorés et tout. On a tout bien fait. Hein. Les objectifs sont atteints, quoi. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ce saumon, mais je mange ce saumon. Hop. On mange ce saumon. On boit un coup. Et sur ce, eh bien, les amis, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bye bye! Bye bye!